fait chaque année depuis 10 ans maintenant, on fait nos 10 ans aussi. Et donc c'est un vieux concept qu'on a repris des années 60-70. Une publicité entre les maisons de café de Bruxelles. C'est quoi d'ailleurs le rôle des maisons quartiers? La base, c'est d'avoir des projets interculturels que chaque enfant puisse, avec leurs parents, apprendre l'échange, vivre ensemble, apprendre la culture et pouvoir avancer, évoluer dans la paix et l'harmonie tous ensemble. Chaque année, de nouvelles têtes arrivent. Il y a aujourd'hui 13 grosses têtes et 9 petites têtes. C'est pas son argent à vivre à Bruxelles et je crois qu'il y en a pour ça qu'on peut reconnaître peut-être. Et voilà, c'est ça qui est beau. C'est quoi comme personnage à vivre? J'avais essayé de faire Tillemans, mais je l'ai raté un petit peu. Mais les vrais héros du jour, ce sont bien sûr les enfants. Il y a des petites princesses, il y a des gens qui ont du maquillage. J'ai vu un qui était déguisé en Spider-Man. Et on a d'autres qui sont encore en pyjama. Mais ils sont là surtout pour une chose. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire? S'amuser? Jouer? Danser des comédies? On danse aussi? Pour la danse, il fallait encore apprendre un cortège, une animation, un budget et un goûter des attendus bien au chaud à l'intérieur, en fin de parcours.